petit déjeuner d'avant rando. Dans bien des cas, notre départ pour la randonnée se fait en début de journée. C'est pourquoi on me questionne souvent sur les meilleurs aliments à manger pour le déjeuner. Limiter les aliments gras, comme les viandes froides, les charcuteries, le bacon et la saucisse, par exemple, ou même le beurre d'arachide qui cause problème à plusieurs personnes. On favorise les glucides lents, donc l'amidon. On pense entre autres à l'avoine, aux céréales entières, au pain, aux bagels ou même aux crêpes. Ensuite, des glucides simples, finalement, des sources de sucre, par exemple les fruits séchés, le yogourt aromatisé, le miel ou le sirop d'érable. Finalement, on combine avec une source de protéines intéressante comme le yogourt grec, le fromage, la boisson de soya, les œufs, le tofu ou même le végé pâté. Je vous présente mon top 5 des petits déjeuners avant rando. Donc, j'aime particulièrement le griot overnight, qui est un déjeuner qu'on peut préparer la veille. Ça se trouve être une préparation qui mélange les flocons d'avoine avec une boisson, soit une boisson de soya, un lait ou un yogourt, des fruits et des noix et graines. Dans un deuxième temps, vous pouvez opter sur un bol qui combine des petits fruits, du yogourt grec et du granola. Si vous vous sentez inspiré, vous pouvez même faire votre granola maison. Mon troisième exemple est une combinaison de muffins avec fromage cottage. Les muffins sont parfaits pour un petit déjeuner rapide. Misez par exemple sur un muffin maison puisque ceux du commerce sont davantage composés comme des gâteaux, donc très riches en sucre et en gras. Une petite recette très facile également sont les crêpes aux bananes. Donc vous n'avez besoin que de trois ingrédients, l'avoine, les bananes et les œufs. On mélange le tout, on chauffe à la poêle et c'est prêt. Mon cinquième et dernier exemple se trouve dans le smoothie. Les smoothies sont très populaires et conviennent très bien avant la randonnée. Assurez-vous par exemple d'avoir une source intéressante de protéines, donc un yogourt grec ou une boisson de soya ou un lait par exemple. Le tofu soyeux peut également donner une texture très intéressante au smoothie. Finalement, quoi penser du café, le breuvage favori des Québécois? Si vous avez l'habitude de consommer un café le matin, inutile de changer vos habitudes. Certains s'inquiètent de l'effet diurétique du café, mais il faut savoir que cet effet est minime et qu'il est compensé par l'activité physique. Finalement, il y a même des bienfaits à la consommation de caféine, donc une augmentation de la vitalité et une diminution de la perception de l'effort. Pour obtenir des conseils personnalisés, n'hésitez pas à consulter une nutritionniste.